Vous savez, nous sommes là tous réunis et pourtant tous ne comprennent pas et n'entendent pas la parole de Dieu. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que on répond toujours amen au message. Parce qu'on sait que ça concerne la parole de Dieu. Mais quand on sort après d'une réunion où le Seigneur nous a parlé clairement, nous a repris clairement, nous a encouragé clairement, qu'est-ce qui se passe? On va regagner nos habitudes. On va regagner nos traditions. On va regagner tout ce qui nous a éloignés de Dieu. On va le reprendre bien comme il faut et on va continuer à marcher comme ça. C'est la vérité. Depuis que Jésus a prêché lui-même cette parole avec force, depuis que les apôtres, les disciples ont prêché avec force, Dieu ne cesse de répéter ce message. À différentes époques, en France, à l'étranger, il y a eu des réveils, il y a eu des temps où Dieu a suscité des hommes, a suscité des femmes pour réveiller le peuple et pour dire « voici, l'époux arrive ». Mais aujourd'hui, l'horloge est bien avancée, l'horloge de Dieu est bien avancée. Et ce n'est plus le temps de vivre dans la légèreté. Ce n'est plus le temps de continuer à caresser son péché mignon, frères et sœurs. C'est le temps de se réveiller. Et le temps de se réveiller, maintenant, il devient de plus en plus court. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Ce n'est plus le moment de raisonner. Parce que, vous savez, malheureusement, dans l'Église, il y a beaucoup de raisonneurs. Toujours en train de raisonner avec la parole. Oui, mais ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le moment. Maintenant, c'est le moment de marcher par la foi. C'est le moment de s'accrocher à ce que Dieu dit, de dire oui, amen à sa parole. C'est le moment d'abandonner le péché, d'abandonner la convoitise, d'abandonner toutes ces choses et de marcher dans la volonté de notre Dieu, frères et sœurs. C'est le moment ou jamais. C'est un cri qu'il y a dans mon cœur depuis maintenant quelque temps qui résonne de plus en plus. Et je ne peux plus me taire, frères et sœurs. Je ne peux plus me taire. Alors bien sûr, des hommes se lèvent et commencent à nous faire la guerre. On est habitué. On est habitué, oui ou non? Tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À partir du moment où la parole de Dieu est prêchée, alors la fausse église se lève. Cette église apostate se lève. Cette église qui vit dans la cupidité, dans le mensonge, dans l'idolâtrie se lève. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hier soir, j'étais en Normandie. Nous étions dans une réunion et des pasteurs sont en train de se lever, en train de nous accuser faussement, de nous traiter de gourous de tous les noms. Alors que eux, certains, ont divorcé 9 fois, frères et sœurs. Des pasteurs. Et bien sûr, à chaque fois, ils sortent avec, ils reprennent une femme qui est beaucoup plus jeune qu'eux, c'est bizarre. Oui, frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église est divisée en deux. L'Église visible, je parle. Elle est divisée en deux. Il y a les vierges sages et il y a les vierges folles, insensées, stupides. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cette lampe. Elles ont cette lampe, ces vierges folles. Elles ont la lampe, mais il n'y a pas d'huile. Frères et sœurs, c'est grave. Pourquoi? Parce que Jésus ne prévient pas. Il ne prévient pas de l'heure, de l'instant de son retour. Et le jour où il va revenir, ça va être trop tard. Ce ne sera plus le moment, on ne pourra plus aller chercher de l'huile, on ne pourra plus prendre le temps de se repentir de son péché, de revenir devant la face de Dieu et de reprendre le cours de sa vie chrétienne normale. Voilà ce qui se passe dans l'Église. Alors il y a ce cri qui résonne, les vierges sages. Les vierges sages, ce sont celles qui se sanctifient, ce sont celles qui se préparent. C'est grave, frère, pourquoi? Nous savons que l'huile, dans les vases, représente le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Mais nous savons aussi, d'après l'Épître aux Éphésiens, qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu. Quand un enfant de Dieu commence à pécher, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient nous convaincre de pécher. Et quand il vient nous convaincre de péché, il y a 2 solutions. Soit on se repent de notre péché, et dans ces cas-là, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous pardonne, et puis on se relève et on continue à avancer avec le Seigneur. Ou soit on résiste. On écoute les messages. Tous les samedis, on vient dans la réunion de réveil, parce que, effectivement, il y a des choses qui se passent. On écoute les messages, mais on ne les comprend pas, on ne les assimile pas, on ne les met pas en pratique. Frères et sœurs, c'est grave parce que le Seigneur nous prévient. Il nous prévient aujourd'hui de plus en plus.
Et la conviction de l'esprit se fait jusqu'à un certain temps. La patience de Dieu a une certaine limite. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit comme ça, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il nous est dit qu'au bout d'un moment, on éteint l'esprit. Vrai ou pas? On éteint l'esprit. La lampe est toujours là, mais il n'y a plus d'huile. C'est ce qui se passe pour ces vierges folles. Elles en sont à ce stade, frères et sœurs. Et c'est ce stade dans lequel l'Église se trouve. Et malheureusement, il y en a qui ont été beaucoup plus loin. Qui sont morts carrément spirituellement. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se secouer. Et aujourd'hui, si le Seigneur me pousse à parler de la sorte, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres. Mais c'est tout simplement parce qu'au milieu de nous ici, et de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, eh bien, il y a encore des hommes et des femmes que Dieu cherche, qui l'ont connu, qui ont connu sa grâce, qui ont connu sa gloire. Leur vie a été changée, leur vie a été transformée. Regarde comment le Seigneur t'a touché quand tu t'es converti. Regarde comment il t'a sorti de tes difficultés, de tes problèmes. Il t'a guéri, il t'a rétabli, il t'a sauvé. Il t'a fait voir des choses ineffables, des choses merveilleuses. Et tout simplement, eh bien, à cause de la légèreté, eh bien, tu t'es éloigné de Dieu. À cause de la légèreté, tu n'entends plus la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe parce que l'huile commence petit à petit à manquer. De plus en plus, elle manque jusqu'au moment où il n'y a plus d'huile du tout dans ce vase. Là, eh bien, l'esprit est éteint. La troisième partie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que Dieu vient retirer le chandelier de sa place, comme il le dit, eh bien, l'église d'Éphèse dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Ça veut dire que cette fois-ci, on retire carrément, on retire l'esprit. C'est fini. Quelle est la possibilité de salut? Puisque c'est l'esprit qui convainc de pécher. Alors, avant d'arriver à ce stade-là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'aujourd'hui encore, on abandonne le péché, qu'on ne sorte pas d'ici sans avoir abandonné le petit copain, la petite copine, sans avoir délaissé le concubinage, sans avoir délaissé toutes ces choses qui déplaisent au Seigneur, qui attristent l'esprit, qui nous éloignent de Dieu. On ment aux impôts. On triche à la CAF. Frères et sœurs, vrai ou pas? Aujourd'hui, il faut dénoncer ces choses. Quelqu'un, justement, s'est levé hier soir pendant cette réunion, me disait, mais qui vous êtes pour dénoncer ces choses? Qui vous êtes pour juger? Mais Paul, il nous dit carrément, dans 1 Corinthiens 5, il nous dit quoi? Il nous dit, ceux du dehors, ce n'est pas à nous de les juger, Dieu s'en charge. Mais ce sont ceux du dedans, ceux qui se proclament chrétiens, enfants de Dieu, et qui font n'importe quoi. Et c'est à nous de se lever, disciples. On n'a pas besoin d'avoir un titre, une fonction, mais chacun d'entre nous, disciples de Jésus-Christ, on doit se lever et dénoncer, proclamer cette vérité. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le grec nous dit aussi, dénoncez-les, dévoilez-les et corrigez-les. Amen ou pas? Alors, c'est la parole de Dieu. On ne peut que dire amen, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que notre vie change? Faisons-nous partie des vierges sages? Faisons-nous partie des vierges folles? La question, il faut se la poser cet après-midi, aujourd'hui. Il faut se la poser. Où est-ce que je me situe aujourd'hui? Parce que si j'entends, si je suis là dans cette salle, si je suis en train de regarder cette émission devant mon ordinateur, c'est peut-être parce que le Seigneur veut que j'entende encore cette parole. Le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ah ben oui! Donc ça veut dire qu'il y a encore une place pour moi. Ça veut dire que le Seigneur encore m'appelle par son esprit. Il me tend la main. Donc ça veut dire ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas ce lieu sans avoir abandonné le péché. Ne quitte pas ce lieu sans avoir abandonné ce qui te retient captif. Et tu es devenu esclave de ça. Le mensonge. Le mensonge, c'est le sport national, malheureusement, de l'Église. Hein, je vous dis, c'est terrible. Les chrétiens mentent, les chrétiens trichent. Et ça, il faut en sortir, parce que autrement, c'est fini. C'est fini, le temps est court, c'est fini. Vous savez, dans Matthieu 11, Verset 12, il nous est dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent.
Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la violence. Soyons des violents. Si tu n'arrives pas à te lever la nuit pour prier, sois violent. Parce que le Seigneur t'attend. Si tu n'arrives pas à jeûner parce que tu aimes trop manger, eh bien jeûne, force-toi, parce que le Seigneur t'attend. Il faut se faire violence. Si la chair te pose problème, s'il y a des tentations qui te posent problème, fais-toi violence. Dans la prière, dans le jeûne, fais-toi violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le salut est gratuit, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Il n'y a pas de place pour la légèreté. Il n'y a pas de place pour tout ça, frères et sœurs. Il n'y a pas de place. Les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le lâche, c'est celui qui connaît la vérité pour lui-même et pour les autres et qui malheureusement reste à sa place, ne fait rien pour changer et ne dit rien quand il voit son frère ou sa sœur qui est en train de tomber dans le péché. Matthieu 18 nous le dit, si tu vois ton frère qui a péché, va le voir et reprends-le entre toi et lui seul. Qui le fait aujourd'hui sous prétexte des sentiments? Le Seigneur nous appelle à cette violence. Ce n'est pas la violence de prendre des armes comme on voit dans le monde. Ce sont des armes spirituelles, frères et sœurs. C'est une violence contre la chair. Le Seigneur nous appelle à cette violence. Réveillons-nous, faisons-nous violence. Ce que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent, faisons-le pour le Seigneur. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester autour de nous, dans nos familles, dans nos villes, dans notre région. Faisons-nous violence, frères et sœurs. Le Seigneur nous attend. Aujourd'hui, vous savez, c'est triste. Quand on voit des assemblées, il y a de nombreuses années de cela, j'étais dans une assemblée qu'on appelle des pentecôtistes. Et vous savez, ce type d'assemblée, malheureusement, eh bien, descend, entre guillemets, se dit descendre de mouvements de réveil avec Douglas Scott et compagnie, Smith Wigglesworth, pour ceux qui connaissent. Mais aujourd'hui, où est la puissance de Dieu? Où sont les miracles? Où est la parole? Rien, vide. C'est mort, pourquoi? Parce que c'est fini. Aujourd'hui, on prêche quoi? On prêche des services, on prêche une dénomination. On prêche quoi? On ne prêche plus la parole de Dieu. C'est du business dans l'église. Vrai ou pas? Il faut sortir de cela, frères et sœurs. Il faut sortir de ce système. Il faut maintenant retourner à la parole. Parce que c'est cette parole qui nous libère et qui nous affranchit. Vous avez des personnes qui sont dans des assemblées pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui ont toujours les mêmes maladies. Toujours les mêmes maladies, frères et sœurs. Il suffit qu'ils entendent la parole qui libère, ça y est, ils sont guéris, délivrés. Ah, le nom de Jésus est tout puissant, il n'a pas changé. C'est nous qui mettons une séparation, nous et notre péché qui mettons une séparation entre Dieu et l'homme, et nous empêchons ces hommes et ces femmes de connaître la gloire de Dieu. Ah, c'est la vérité. Tout simplement parce qu'il y a la cupidité. Tout simplement parce qu'on veut profiter eh bien, de ces hommes, de ces femmes, parce qu'il y a de l'argent. Mais est-ce que ces assemblées vont prêcher la parole eh bien, aux nécessiteux, aux pauvres qui sont dans la rue? Ils n'ont pas les moyens de payer la dîme? Eh oui, c'est la vérité. Il faut se réveiller, frères et sœurs. C'est le temps ou jamais. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, en écoutant ce message, je pense à telle chose, à telle personne. Non, c'est moi. Je dois me réveiller, moi. La parole de Dieu est une épée tranchante. Et cette épée tranchante, je dois d'abord l'utiliser sur moi, frères et sœurs. Et une fois que je l'utilise sur moi, là, je peux me permettre, effectivement, de pouvoir dénoncer le mensonge dans l'Église. C'est notre rôle, à chacun d'entre nous. Faisons-nous partie des vierges sages. Ou des vierges folles. Les vierges sages, frères et sœurs, même si elles n'ont pas vu forcément pendant un certain temps de miracles, de guérisons, etc., elles ont conservé la foi et l'espérance dans leur cœur. Ah oui! Ces vierges sages, elles aiment la vérité, elles aiment la sainteté, elles aiment la justice, elles s'y sont attachées. Et c'est pour ça qu'il est toujours demeuré en elles cette part de l'huile, cette part d'huile, parce que la présence de Dieu est restée en elle, à cause de cet amour pour la vérité. Et tous ceux ici qui aiment le Seigneur véritablement,
Tous ceux qui ressentent cet appel de Dieu dans leur cœur, Dieu va les toucher, Dieu va les transformer, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Et je sais que ça a déjà commencé et que Dieu va le faire encore au nom de Jésus. Ah oui ? Dieu ne change pas. Quand il a été appelé, quand il a appelé le jeune Jérémie, souvenez-vous, il n'avait pas de titre, Jérémie. Il n'y avait pas marqué pasteur. Il n'y avait pas marqué prophète. C'est au fruit qu'on juge un arbre. C'est parce qu'il a exercé en tant que prophète qu'il a été reconnu comme prophète. Et parce que Dieu lui a dit, je t'appelle en tant que prophète, mais ce ne sont pas les hommes qui l'ont reconnu. Il n'a pas fait d'école biblique. Donc Dieu nous appelle chacun d'entre nous, qui que nous soyons, à partager cette parole afin de réveiller l'Église qui est en train de s'endormir, frère. Qui est en train de s'endormir. Est-ce que cette parole nous concerne ? Est-ce que cette parole nous touche ? Parce que ça doit nous toucher, parce que le temps est court. Là, les réunions vont s'arrêter, frères et sœurs, c'est vrai. Mais vous savez que Jésus reste. Jésus demeure. Et son esprit va se manifester de manière encore plus puissante. Mais cette fois-ci, partout. Partout. Partout, des cellules de maison, des assemblées vont se constituer, partout. Elles vont se constituer parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est le Seigneur qui appelle ce pays à se réveiller au nom de Jésus. Et c'est maintenant que c'est en train de se réaliser. Et moi je vous dis, le train ne va pas passer deux fois. Hein. Il ne va pas passer deux fois. Et moi je veux monter dans ce train. Ah oui, au nom de Jésus. Et si vous voulez monter dans ce train, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si tu as commencé à descendre, il faut remonter. Le ticket est gratuit. Le ticket est gratuit. Mais attention, hein, Jésus contrôle les tickets. Hein. Que Dieu soit béni en tout cas, parce que si le ticket est gratuit, en tout cas, il faut se faire violence pour monter dans ce train. Frères et sœurs, il faut se faire violence. Et cette violence, c'est contre la chair. Et l'Esprit nous aide à combattre contre la chair. Galates 5,16 nous dit que, effectivement, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Donc c'est pas difficile à savoir. Si jusqu'à présent tu as marché dans cette direction par la chair, il faut que tu marches dans l'autre direction par l'Esprit. Tout simplement. Ah oui. Que Dieu nous aide. On va y arriver au nom de Jésus. On va y arriver. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de, entre guillemets, responsables d'assemblées, de pasteurs, etc., se lèvent contre ce qui se passe. C'est normal. C'est bon signe. C'est bon. Nous les invitons à partager effectivement cette parole, à venir ouvrir la parole, à la partager. Pourquoi ? Parce que tout ce qui, effectivement, va, qualifier le message, c'est la parole. C'est la parole qui détermine la vérité. C'est pas je ressens, c'est pas je pense. C'est pas je suis pas d'accord, c'est pas suffisant ça. C'est la parole. Qu'est-ce que dit la parole ? Il y en a aussi qui sont là et qui ne sont pas venus parce qu'ils aiment la parole, mais pour espionner. Et vous savez, beaucoup de pasteurs qui nous critiquent, qui critiquent ce réveil, qui critiquent ce qui se passe, sont derrière actuellement. Eh bien, leur ordinateur regarde. Et puis après, ils repèrent dans l'assemblée. Ils repèrent qui est venu ? Les brebis. Comment ça se fait que tu es venu dans ces réunions ? C'est ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut le dire. Il faut le dire. Dieu est en train de juger son peuple. Là, le jugement de Dieu commence par sa maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le jugement est tombé sur certaines personnes qui luttent contre ce que Dieu est en train de faire. Même Gamaliel était plus sage qu'eux. Ah oui. Parce que Gamaliel, il a dit comme ça, hein. Si cette œuvre vient de Dieu, eh bien, elle ne se détruira pas. Ne prenez pas le risque de combattre contre cette œuvre. Si elle n'est pas de Dieu, elle va disparaître. Même lui, il était plus sage. Soyons sages, frères. Vierge, sage. Cette sagesse de Dieu qui est une folie pour l'homme. Frères et sœurs, la parole nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une folie pour beaucoup de ceux qui se proclament chrétiens, apôtres, docteurs. Elle est une folie aussi pour eux. Et quiconque aime ce message devient fou. Et moi, le Seigneur me rend fou. Et je prie pour qu'il me rende encore plus fou. Frères, sœurs. Parce que Dieu soit béni. Parce que cette folie-là, je vous dis,
elle nous démontre, enfin, avec cette foulière, on voit des choses que jamais on a vues auparavant. Jamais. Vous savez, depuis tant d'années que nous prions pour ce pays, je me suis repenti devant Dieu. Je tiens à le dire, je me suis repenti devant Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, les Français sont trop durs. Et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Eh oui. Alors si on me disait, quand j'allais dans la rue faire de l'évangélisation, bah oui, eh bien, j'évitais d'aller vers les Français. Et Dieu m'a repris. Il m'a dit, non, c'est pas qu'ils sont trop durs. Non, faut vraiment qu'on révise la parole. Et moi-même, le premier, je l'ai fait. Et aujourd'hui, on voit, eh bien, effectivement, ce pays qui est en train d'être secoué, de se réveiller et de prendre conscience des réalités spirituelles. Oui, prendre conscience des réalités spirituelles. La sorcellerie ne touche pas que l'Afrique, frères et sœurs, ne touche pas que ces pays-là. Aujourd'hui, ici en France, on l'appelle parapsychologie, on l'appelle tout ce que vous voulez, mais c'est la même chose. Il faut dénoncer ces choses. Il faut les dénoncer. J'ai pratiqué ces choses avant de me convertir. Vous savez, le Seigneur m'en a délivré. J'ai vu comment le diable était capable de détruire des personnes. Et le Seigneur m'a sorti de là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je proclame encore cette parole. Parce que je sais qu'il y en a encore qui sont dedans. Qui mélangent la parole de Dieu avec ces choses qui viennent du diable. Avec ces pratiques de sorcellerie, de parapsychologie, peu importe comment on l'appelle. Mais tout ça, ce sont des démons. Et beaucoup ne sont pas éclairés sur cette chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et ceux qui sont dans la sorcellerie, vraiment, je vous dis, il faut s'en sortir là. Il faut abandonner. Il faut abandonner au nom de Jésus. Il faut abandonner tout ça là. Parce que le jugement de Dieu commence là. De plus en plus. Il y en a qui vont mourir s'ils ne se repentent pas. Il y en a qui vont mourir s'ils ne se repentent pas, je vous dis. Il faut se repentir avant de sortir de cette salle là. Tous ceux qui sont venus pour détruire cette réunion là, pour la renverser là. Au nom de Jésus, il faut se repentir, je vous dis. Jésus ne rigole pas, je vous dis. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et son amour se termine toujours par sa justice. Frères et sœurs, ne rigolons pas avec Dieu. Quand Dieu nous avertit, plions les genoux devant lui. Confessons notre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez ce passage d'un Thessalonicien 2:11 qui nous dit comme ça que eh bien, Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui résistent. Cette puissance d'égarement, c'est energeia en grec, c'est une puissance contre laquelle on ne peut rien faire. C'est fini. Et le mot égarement, frères et sœurs, soyons très attentifs, le mot égarement en grec c'est planéo. Planéo, on le retrouve dans le livre de Jude au verset 13. Eh bien, c'est le mot égarement. C'est un mot qui signifie vagabonder. Et vous savez, planéo a donné le mot en français planeur. Et vous savez, le propre d'un planeur, c'est quoi? C'est tout simplement que le planeur, eh bien, il n'a pas son propre moteur. Il n'a pas de moteur, il n'a pas d'hélice. Donc ça veut dire que lui, il ne peut voler qu'à partir du moment où il est tiré par un câble avec un avion devant lui. Vrai ou pas? Mais le problème, c'est que le planeur, il ne fait pas de bruit, il est tranquille. On ne le voit pas, on ne s'en aperçoit pas, il peut passer au-dessus de notre tête, on n'entend rien du tout. Ah, pour ça, il est tranquille. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où le câble est coupé, est-ce que vous croyez que le planeur va pouvoir voler très longtemps? C'est fini, sa destinée, c'est sur le sol, il va s'écraser. C'est fini, il ne pourra plus voler. Et le problème, c'est que planéo, tous ceux qui ont reçu cet esprit d'égarement ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que le câble a été coupé. C'est fini. Mais par contre, ils sont en train de descendre, jusqu'à temps de toucher le sol, c'est fini pour eux. Regardez Pharaon, est-ce qu'il a pu faire quelque chose contre cette puissance d'égarement? Rien. Et d'autres encore. Frères et sœurs, avant que cette puissance d'égarement n'en touche plusieurs, repentons-nous. Et je vous dis, frères et sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Parce que le temps est proche. Le temps est très proche. Ce n'est plus le moment de raisonner. Ce n'est plus le moment de se divertir. Ce n'est plus le moment de vivre dans la légèreté. Mais c'est le temps de se repentir, frères et sœurs. Le temps de se repentir. Vous savez, le message n'a pas changé depuis Jean-Baptiste. C'est le même.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Est-ce que ça va? Je sais que cette parole touche plusieurs personnes. Parce que beaucoup viennent, certains viennent par curiosité. Mais le Seigneur, vous savez, il profite de cette curiosité pour parler encore au cœur. Ah oui, il ne va pas vous laisser repartir comme ça, hein. C'est pas terminé. Hein. Ça, c'était une première couche, mais vous allez voir l'autre. L'autre couche, là, ça va être quelque chose. Et le Seigneur va encore bouleverser des vies, changer des vies, transformer des vies, en guérissant, en délivrant. Ah, notre Dieu est tout puissant. Amen ou pas? Amen. Eh bien, que son nom soit béni, frères et sœurs. Que son nom soit béni. Amen. Yeah.